C'est quoi ce que vous avez dans les poches? De l'argent. Ok. Mettez les mains en l'air, mettez les mains en l'air. You know what the way, Oriental Poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. Aujourd'hui, on va pranker The Jujul, et oui, il est à la maison comme vous le savez pour le combat contre Momo, et je me suis dit, on va le pranker. Vous vous rappelez de mon pote qui travaille dans la police de Lyon? Il m'a dit, Abdel, quand tu veux, je reviens, on fait une vidéo où on piège quelqu'un. Je lui dis, tu sais quoi, tu me dis ça au moment où j'ai besoin de toi. Je lui dis, viens, il habite à Lyon, il habite à une heure de chez moi. Donc là, il est en train d'arriver et en fait, il va arrêter The Jujul, il va le menotter et il va lui dire « Je t'arrête parce que tu es rentré dans une propriété privée ». Vous vous rappelez que The Jujul à l'époque, il était rentré dans la propriété privée ici. Et bien en fait, avec mon pote le policier, on va le piéger, on va lui faire croire qu'un de mes voisins a porté plainte contre lui et qu'il va se faire arrêter. Je vais encore appeler mon pote, je vais encore lui donner 2-3 trucs à dire à The Jujul pour lui faire peur. On se retrouve tout à l'heure et en espérant que The Jujul ne le reconnaisse pas. On croise des doigts de pied. Bon, on a reçu ces temps-ci plusieurs appels. On a reçu des appels des voisins. Oui. La propriété. Mm-hmm. Par rapport à ce jeune homme. C'est bien vous qui apparaissez, enfin vous êtes, enfin vous travaillez sur YouTube ou un truc comme ça. Je crois. Oui. C'est bien ça. On a reçu des appels comme quoi vous venez sur la propriété. Vous enjambez le portail, etc. On a reçu plusieurs appels ces temps-ci. Ah non, il y a eu des appels. Il y a eu une main courante qui a été déposée au commissariat de Chirol. Qui a été déposé il y a à peu près quelques mois, 3-4 mois de ça, oui. Par rapport à cet individu, à ce jeune homme. Je ne sais pas à quoi vous jouez en faisant ça, mais vous sachez que c'est une propriété privée. Donc là déjà, je vais vous demander une pièce d'identité, si vous avez une pièce d'identité sur vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, rien de grave. Non, il n'y a pas de rien de grave. Monsieur, hein. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Nous, on a reçu des appels, on se doit de venir. Voilà. C'est réglé, tout ça. D'accord, ok, très bien. Vous habitez où, vous? J'habite... J'habite à Genève. Ah, vous habitez pas en France en plus? Bah, je suis ici, je viens chez lui. Il est venu chez moi, ouais. C'est qui? C'est votre copain? C'est votre ami? C'est qui? Pour vous, c'est votre famille? On va dire qu'on fait des vidéos ensemble, temps en temps. D'accord. Tiens, voilà. Tu notes ça après? Pas de soucis. Bon, ce qu'on va faire par contre. Parce que là, écoutez-moi, vous avez quel âge? J'ai 16. J'ai 16 ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir vous ramener au commissariat. Non, si vous non, mais écoutez, monsieur. Écoutez-moi. Non, mais vous n'avez pas ramené au commissariat, pas, monsieur. C'est quoi votre nom, monsieur? Abdel. Ok, très bien. Juste laissez-moi parler avec lui, s'il vous plaît. Parce que là, bon, il n'est pas chez lui, il n'est pas en France ici. C'est incroyable, ça. Non, mais attendez, je sais que c'est incroyable, ça peut paraître incroyable, mais dites-vous bien, voilà, tout va bien se passer. Désolé, monsieur, en film, au cas où, s'il y a quoi que ce soit, en film, au cas où, on ne vous montre pas votre visage. On ne montre pas votre visage. Ça va pas être diffusé sur notre plateforme, là, non, internet, je sais pas quoi, là, par contre. Ça va pas être diffusé. J'espère que protection, ça peut vous apporter des soucis, voilà. Également. Ne vous inquiétez pas. Venez, approchez, monsieur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de... Je vais prendre le... Vas-y, t'inquiète. Tu fais passer à la radio que TV Charlie, s'ils peuvent nous rejoindre. Allez, pour faire le transport, parce que sinon, on ne pourra pas pouvoir. Écoutez, nous, les voisins, ici, ils en ont plus que ras-le-bol. Ils en ont plus que ras-le-bol, ils ont reçu. C'est le jour où il est rentré filmer. Exactement. Et il y a eu d'autres appels encore. Donc là, ils vous ont vu ces temps-ci. Ils se sont dit, bah tiens, on va aller appeler la police. Parce qu'il est là. Donc là, on a reçu un appel il n'y a même pas une demi-heure de ça, comme quoi vous étiez ici. Donc bah, ils ont profité pour nous dire, bah essayez de venir, essayez de calmer la chose, essayez de faire quelque chose. Et c'est puni par la loi d'être sur une propriété privée, c'est puni par la loi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous ramener. C'est pas cool ça. Non, il n'y a pas de pas cool, c'est que vous avez 16 ans en plus, vous êtes mineur, donc par contre, il va falloir que vos parents viennent vous chercher. C'est pas cool ça, monsieur, moi je s'il vous plaît, monsieur, arrêtez, c'est pas cool ça, franchement, vous avez... C'est soit ça se passe bien, soit c'est menotté... Non, monsieur, mais vous faites monsieur. Des problèmes pour rien, s'il vous plaît, là, vous faites des problèmes pour rien, il y a tout s'est arrangé, non, s'il vous plaît... Il n'y a pas de problème, donc déjà, venez vers moi, c'est pas cool, c'est pas cool. Vous avez rien de dangereux sur vous? Non, j'ai rien, mais c'est attendez, cool. écartez les gens, les jambes, voilà, parfait. C'est quoi ce que vous avez dans les poches? De l'argent. Ok. Mettez les mains en l'air, mettez les mains en l'air. Ne bougez pas. Bon, regardez-moi, ça vous amuse alors de venir sur des propriétés privées dangereuses? Ok, explique-leur s'il te plaît. Non, écoutez. Non, fais pas de bâtard. Regarde. C'est pas cool. Il n'y a pas de votre exprès ou quoi? Écoutez-moi. Alors,
Monsieur, c'est moi qui vous ai appelé? Ah non, non, mais pas, mais pas de... Mais je vous ai invité dans la main. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, dans la voiture. On va vous... Mettez vos chaussures. Mettez vos chaussures. C'est pas cool. Je sais pas où sont vos chaussures. Mais s'il vous plaît, monsieur, c'est pas cool, là. Voilà, mettez vos chaussures, parce que monsieur, sinon, ça va être menotté, etc. Oui, donc, je vais mettre mes chaussures, mais... dans tous les cas, vous allez venir avec... Mets une claquette et on va... Voilà, mettez des claquettes, mettez une claquette. Aussi après. Tiens. Ça sera soit vos parents qui vont venir vous chercher, soit on verra sur place, c'est l'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire. Oui, cool. Allez-y monsieur, on va y aller parce que là on n'a pas trop le temps. Vous allez faire payer une amende. On n'a pas trop le temps, je vous dis que c'est l'officier de police judiciaire qui va gérer ça, d'accord? C'est pas nous, ok? À part, si c'est un prank... J'étais bien tranquille. T'as pas ta voix, Allez, calme-toi. Le prank a très très bien marché. Moi j'en fais plus. Allez, pleure. Bon, alors comme ça, hein? Sur les vidéos, on fait le costaud. Quand il y a la police qui a marqué police, t'as Bon, bien piégé? Ouais. Ça va? Tu l'as pas trop mal pris? Là, j'ai fini ma vie. Et attends, on voulait te menoter et tout, etc. Moi, je voulais en sorte que ça se passe mal. Ouais, je voulais te mettre par terre et te menoter. Non, mais il était pas bien, donc il était maintenant dans la rue. Il partait par là-bas, j'ai dit, tiens, je vais l'attraper, je vais faire quelque chose. Mais j'ai vu que t'étais pas bien. Bon, tout cas, voilà, c'est. La première. La chaîne de Doudoul, vous la connaissez? Je vous mets la chaîne de mon pote. Bon, tu veux expliquer rapidement ce que tu fais sur ta chaîne? Et bah sur ma chaîne, tout simplement, je vous explique tout ce qui est dans la police nationale, comment rentrer dans la police, nos équipements, tout ça. Et puis, il y a une partie gaming, donc sur GTRP, puis d'autres jeux, etc. On fait des lives, c'est génial, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà les gars, je vous mets sa chaîne en description. J'espère que ce prank, vous l'avez surkiffé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de piège. En plus, lui et moi, on était un petit peu en mode... On ne sait pas si ça va marcher, donc il a fait une heure de route. Enfin, une heure et demie même de route de Lyon. On savait pas si ça allait marcher parce qu'on savait pas si tu connaissais sa chaîne ou pas et si tu avais déjà vu des vidéos de lui et moi sur ma chaîne. Ça, j'avais déjà vu, mais. Et puis c'est la cagoule aussi. Oui, la cagoule. Oui, alors avant, c'est vrai qu'avant lui était cagoulé et c'est depuis que récemment qu'il se montre. Donc c'est vrai que Zudujul en fait ne pouvait pas le griller au niveau du visage parce qu'avant il était tout le temps cagoulé. Voilà. Et on le voyait pas dans les vidéos avec son visage. Donc ça a bien marché, je suis bien content. Ah ouais. Comme quoi la cagoule sera servie. Hein. Et puis la police te fait peur. C'est un vrai policier par contre. Ouais. Mais là c'était un prank. Tu mets ma chaîne. Hmm? Tu mets ma chaîne. Ouais, on est possible. Ta chaîne elle sera marquée en titre carrément. Donc, on peut pas faire mieux. Voilà, famille. Je compte sur vous. Allez vous abonner à la chaîne de Juju, allez vous abonner à la chaîne de mon pote. Prenez soin de vous et d'Ami Fort en espérant que vous avez aimé ce petit prank. Ciao tout le monde. Il était lourd sûr. Game Extreme.